Salut la team, c'est Denis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur MHA. Donc les gars, là j'ai une excellente nouvelle pour vous parce que je vais vous montrer une technique les gars, elle est incroyable. Il va vite falloir faire ça avant que ce soit nerfé les gars parce que c'est incroyable là. Donc je vais vous montrer un truc les gars, je vais vous montrer comment dropper de l'équipement des gears niveau 40 et en légendaire quoi. En légendaire les gars, et ouais. À savoir que là j'ai carrément pas la puissance, genre ma Ochako elle a 22 000 de puissance et je suis largement loin. Mais il y a une technique magique et faites-le avant que soit nerfé les gars. Franchement farmé avant que soit nerfé. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, elle est incroyable. Donc là vous partez sur la coop, agent assignement. Au début vous aurez pas les items de niveau légendaire, il va falloir réussir petit à petit les étapes mais ça va se faire tranquillement. Donc là vous voyez... là j'ai mis ouais, niveau... et par contre il faut être niveau 40 pour que ce soit... Bon... Niveau 30 ça fonctionne on va dire mais ce sera des équipements légendaires niveau 30 et tout quoi. Moi j'aurai des équipements légendaires niveau 40 et tout. Ouais on met any floor, moi je vais en mettre ouais 13-14. Donc là je vais créer ma team en gros. Hop et là tout de suite ce que je vais faire, normalement le permis, j'active mon permis ok. Et là vous allez rester maître du lobby. Donc là vous avez vu, si je réussis le niveau, c'est je drop du légendaire, des équipements légendaires les gars. Et vous avez vu, j'ai carrément pas la puissance, c'est 40 000 et moi je suis à 22 000. Mais il y a une technique les gars, vous allez voir, elle est incroyable. Genre là j'appuie ici, déjà je vais me mettre en invisible, comme ça personne rejoint. Pourquoi je fais ça? Parce qu'à partir du moment où vous faites ça les gars, vous allez lancer un match. Et faut savoir que si au bout d'un moment personne rejoint votre team, bah en gros ce sera des bots qui va rejoindre votre team. On va dire il faut aller moins de 30 secondes. Des bots et des bots super puissants. Des bots super puissants les gars. Vous avez vu, 37 000 de puissance, 35 000 de puissance. Donc eux... En gros, c'est eux qui vont faire le niveau pour moi. Par contre, regardez bien parce qu'il y a des pouvoirs recommandés. Genre Aizawa et tout, ils ont des bonus de plus 50% de dégâts. Donc on va tenter d'avoir eux. Généralement, vous aurez plus lui en personnage. Donc là, c'est simple les gars. Ce que je fais, c'est directement, je mets invisible. Parce que sinon, si vous les retirez comme ça, il y a quelqu'un qui va rejoindre. Là, vous les kickez. Hop, et je refais la même chose. Et je refais la même chose jusqu'à voir les personnages qui m'intéressent le plus, les gars. Donc on fait ça vite fait, on se le fait ensemble. Si ça vraiment ça prend trop de temps, ben je ferai une petite coupure et puis voilà, simplement. D'ailleurs j'ai mis le niveau 11. Ok, il y a lui, mais vous avez vu, il est en low power. Il est pas assez intéressant, il y en a des plus intéressants. Genre il peut avoir du 36 000, 37 000. Donc là je vais refaire l'appareil, je vais les kick. Alors je vais plutôt mettre... Alors, je peux le mettre niveau en dessous. Hop là, on va les kicker, on recommence. Je veux la même chose. Même chose, un Tidenki et tout, mais en plus puissant quand même. On va regarder là. Il n'y a pas encore de personnes qui ont... C'est dommage, j'ai jamais eu de Aizawa pour l'instant. Mais sinon, deux Denki, le top là serait deux Denki. Deux Denki, ce serait le top, franchement, pour pouvoir avancer et tout. Hop, non, ça m'intéresse pas. Mais vous avez vu la puissance des bots, les gars? C'est pas incroyable? Des bots SS et tout. J'ai pas encore eu de AAA, généralement ils sont que jusqu'à SS max. Après, peut-être que plus tard, il y en aura des plus hauts niveaux et tout. Mais franchement, c'est incroyable, les gars. Vous, à chaque run et tout, vous chopez un équipement légendaire comme ça. C'est pas incroyable, franchement. Et à la fin, regardez, j'en ai déjà tellement fait, là. Vous voyez que là, dans... Il n'y a plus le décompte, là. Non, moi, il y a un décompte, il reste genre 2 jours, là. Ouais, 34, c'est pas assez intéressant pour moi. Genre, je fais la même chose. Je vais vous montrer un truc en attendant. C'est que là, voilà, dans 2 jours et 9 heures, j'aurai le coffre. Faites ça avant le reset, parce qu'en plus, vous avez des bonus. Si vous arrivez à faire le niveau 15+, bah vous aurez 3 équipements légendaires donnés, quoi. Plus plus 52 comme ça et tout, quoi. Là, par exemple, là, je suis assuré d'avoir ça minimum déjà, parce que j'ai déjà fait tous les niveaux en dessous. Donc, vous faites ça, là. Ah, merde, j'ai pas... Bon, si je troll, là, si je lance pas, je trouverai pas. Et puis, voilà. Dernier essai, si on trouve pas les gars, bah ce que je ferai, c'est que je ferai une coupure et puis quand j'aurai la bonne team, on continuera la vidéo. Attention, est-ce qu'on peut avoir ce qu'on veut là? Ok, c'est dommage, il est à 32, je vais chercher un peu plus haut quand même. Bon, on se retrouve une fois que j'ai la bonne rotation les gars. Ok, la team, on a trouvé une team à peu près correcte là, avec un Tidenki là, vous avez vu, il a le petit bonus de 50% là, il a 37 000, on va tenter quand même ça pour voir. Évidemment, c'est pas moi qui va faire énormément de dégâts là. Vous allez voir, ils vont creuser, c'est sûr, l'écart. Mais c'est le but, c'est que ils vont faire énormément de dégâts et c'est eux qui vont me carry en fait, tout simplement.
Vous allez voir, c'est incroyable. J'ai déjà droppé de l'équipement S grâce à ça. Niveau 40, enfin de l'équipement légendaire et tout, les gars. C'est incroyable la technique là. Je pense que ça va bien vous aider aussi. Ou votre box là, quand vous allez avoir les équipements légendaires niveau 40, elle va monter à fond. Ou même niveau 30 pour ceux qui sont pas encore niveau 40. Elle va gagner un up, les gars. Vous imaginez même pas quoi. Hop. Hop, ouais, il prévient qu'on n'a pas le niveau nécessaire. Normalement. Est-ce qu'on veut. On est sûr de vouloir faire le niveau? Mais oui, je suis sûr, frérot. Est-ce que je me fais carry? J'ai joué toute la journée sur portable, ça fait bizarre de passer après sur PC. Évidemment, on fait pas énormément de dégâts, nous. Mais bon. Vous avez déjà la différence de dégâts? C'est eux qui me carry clairement, quoi. Et pourtant, j'ai Ochako qui met vraiment les dégâts de zone et tout à fond, quoi. Bim, prenez vos dégâts les gars. Ok. Par contre vu que c'est des bots, genre ils esquivent pas trop et tout les coups du boss, donc ils meurent assez facilement en vrai. Mais bon. Ils font le taf, ils font ce qu'on leur demande. Ils font les dégâts. Regardez la différence de dégâts, ils ont déjà mis deux fois plus de dégâts que moi. Bim. Non, on va pas le stun, dommage. Hop, on remonte là nous. J'adore ce boss parce qu'il est facile à counter du coup quand t'as Ochako. Bon. Non, il a bougé. Je suis deg. Ça le touchait? Non, ça le touche pas. Il a vraiment bien bougé alors. Par contre, vous pourrez pas clairement pas trop viser le S en faisant ça, les gars. Vous allez avoir qu'une carte à chaque fois partout, vous serez plus vers là, là. Pour arriver au dernier boss, là. Hop, allez. On essaie de faire un maximum de dégâts. Évidemment, on n'a pas les dégâts nécessaires, requis et tout. Regardez comment il a démonté en 2 secondes lui, sa visée. Je vous jure. Eux ils mettent deux coups, c'est fini. Hein. Allez, défonce-le mon gars. Mais regarde comment il a défoncé en deux coups. Dommage qu'ils mettent pas. Ils attaquent pas à fond sur les boss et tout. Hein. Home run. Direct. Les noms de bots et tout les gars, ça me tue. C'est quoi, c'est Bob et je sais pas quoi. Allez. Et là on est loin d'avoir fini là, il y a l'autre en mode requin là après. Ah, 55 mon skill parce que je suis tombé vers le 7. Ouais, lui il est mort genre. Et lui il est presque mort. Vu que c'est des bots malheureusement ils esquivent pas trop les coups et tout, vous voyez. Donc ils vont mourir c'est sûr, même s'ils ont énormément de dégâts et tout. Allez on l'a presque. Par contre il le démonte. Oh là, les dégâts qu'ils lui font quand il attaque, les dégâts qu'ils lui font c'est abusé quoi. Bon, on va essayer de réussir là. Normalement il n'y a pas de problème. Enfin il n'y a pas de problème. Le truc c'est qu'on sera vraiment vers la fin. C'est pour ça qu'il faut pas trop perdre de temps. Boum, t'as mal au crâne, je vais t'aider à te reposer mon gars, mais pour toujours tu vas voir. Allez Denki, on compte sur toi frérot, mets tes dégâts là mon gars. Ouais, la caméra elle est décalée là. Je vois pas mon perso. What the fuck, sorcellerie, il est où mon perso? Ok c'est bon, la caméra s'est remise à jour. Attends Denki il est mort. Bob, qu'est-ce que tu fais Bob? Merde. Allez, prends tes dégâts. Par contre, moi, je fais vraiment aucun dégât, quoi. Ah, c'est bon, ils ont pété son bouclier. Ils ont pété son bouclier, les gars, ça va. Là, il va prendre Bagdad. Oh là là, ses vies, là, elles fondent. Quand il attaque, laissez tomber comment ses vies fondent. Ah, bah voilà, ils l'ont démonté, quoi. Ouais, faut faire ça tout le temps. Dommage, ils s'attaquent pas tout le temps à fond. Bon, ça touche les mecs derrière, de toute façon, ouais. Ouais, elles sont un peu plus chiantes. On va essayer de les... Mais l'avantage, c'est que même si elles tapent fort...
Elles ont pas de... Comment dire? Elles ont pas de bouclier, elles, donc du coup c'est plus simple pour elles. De les retenir tôt pour qu'elles tapent pas les bottes là, comme ça les bottes tu peux mettre leurs dégâts. Bah, si vous pouvez privilégier, si vous pouvez, des personnages S là en bot. S minimum, voire SS, comme ça ils ont des bonus en plus avec leur arbre. Les bonus au niveau des dégâts, tout. Il va le démonter, c'est sûr. Regardez les dégâts qu'il lui met. Ouh. C'est bon, on peut y aller, les gars. Allez, Bob Tour. Bob Tour. Tu vois bien le nom de bot, quoi. Et Colby Samson. Allez, Bob. Et Kobe. Colby. Oh là, bec pas, ou frérot. C'est pour ça que j'aime bien Ochako. Regardez, je passe au-dessus de son truc normal. Ouf. Bon, il est venu me chercher là. Allez. J'ai pas vu combien de temps il nous reste, mais là, il va falloir se dépêcher quand même. Faut pas que les bots y meurent trop là. C'est mon truc. Lui, il est chiant comme boss en plus. Il est vraiment chiant. Il va taper là. Okay. Il est vraiment chiant comme boss et tout. Faut qu'il se concentre sur moi pour que j'essaie d'esquiver et que eux ils puissent faire leur vie là et lui mettre des dégâts. Voilà, c'est assez bien. Viens me chercher moi. Comme ça, ils vont taper là les deux. Putain, il va tuer Bob. Tu laisses Bob tranquille, frérot. Laisse Bob tranquille, je t'ai dit. Ouh. Oh merde, ça c'est chiant. Il a eu tout le monde. Ouais, il a eu Bob aussi. Vas-y Bob, mets tes dégâts, frérot. Putain, il va tuer Bob. Ah, il a tué Bob. Putain, il ne reste pas beaucoup de temps. Il reste 36. Regardez. Oh, il lui a enlevé une barre en un coup. Dommage qu'il attaque pas non-stop, genre. Dommage qu'il attaque pas non-stop. C'est bien qu'on a un perso qui peut taunt les boss. Comme ça, le boss il reste concentré sur nous. Putain, il a tué l'autre. Fais chier. Non, Bob, te fais pas tuer par le requin et la flaque. On a besoin de tes dégâts, frérot, parce que là c'est chaud, il reste 1 minute. Ah putain, laisse Bob tranquille, mon gars. Vas-y, Bob, défends-toi, frérot. Mets ton truc, toi, là. Envole-toi, frérot. Hop. Voilà, on s'envole comme ça. On esquive. Direct, allez. Allez, 49 secondes. Il reste 10 barres de vie, on peut le faire là. Oh, il m'a eu. Oh, j'avais pas eu. Ah non, c'est la flaque de poison, c'est vrai, au corps à corps. Ça, c'est chiant aussi. Ah, c'est bon, là. C'est bon, les gars, je l'ai. C'est bon. Ultime. Ok. On a réussi le niveau. Ils vont le finir. Oh, finissez-le là! Oh, il reste 28 secondes. Oh non! Combien? 22 secondes. Voici, ouais, si, c'est bon. Non, il faut qu'il arrête de faire ces trucs de... Ah, c'est bon. On a réussi. Même ça, ça suffit. Bon, là, c'était un peu chaud, j'avoue. Mais c'est réussi, les gars. MVP, évidemment. Si vous pouvez en avoir deux comme ça, c'est bien. Si vous n'hésitez pas à reroll, en avoir deux. Wow, la différence de dégâts, évidemment. Attention, les gars, une carte légendaire ou quoi? Yes! Et voilà, je vous ai dit, regardez, on a une arme légendaire niveau 40. Franchement? Non, vas-y, on va pas. Ah, il y avait ça aussi. Et voilà, je vous ai dit, grâce à ça, regardez, on va les mettre tout de suite. Et vous faites que ça, les gars, que ça. Même une carte, c'est bon. Comme ça, vous chopez de l'équipement légendaire niveau 40 et tout. Même l'équipement épique, ça se prend pour l'instant et tout, en attendant d'avoir du légendaire. Par contre, faites surtout pas la bêtise. Vous voyez, je peux continuer avec eux et tout. Hop, niveau 12 et tout. Surtout, ne faites pas l'erreur d'acheter le pack. Parce qu'il y avait un pack là où il y a genre un équipement légendaire niveau 40, les gars. Genre, c'était un équipement légendaire niveau 40. C'était à 27 euros, je crois. Faites pas cette erreur. Regardez, on l'a gratuit. Là, je vais là, regardez. Hop, niveau 40, regardez tout ce que je gagne. Il n'y a même pas les 4 bonus. En plus, vu que c'est de l'équipement niveau 40. Hop, regarde. Non, c'est pas sur modifie. On peut le modifier celui-là ou pas? Vraiment, on peut le modifier, mais en tout cas, je vais là au camp. Hop. Ouais, celui-là, on peut pas. Ok, pourquoi mon casque? Je pouvais mon casque, non? Ah, il faut l'étoile. Ouais, il faut. Ok.
Mais en tout cas, voilà. Vous avez vu, j'avais déjà récupéré le casque. Même avant ça, j'avais eu des équipements 40 comme ça, vous avez vu. Et ça vous donne énormément de stats. Vous avez vu là, j'ai déjà une arme niveau 40. Par contre, il y a un autre truc à prendre en compte. C'est que vous allez avoir des armes qui ont 2 stats de base. Et vous allez avoir des armes qui ont 3 stats de base. Privilégiez les armes qui ont 3 stats de base. Je sais pas si j'en ai là. Je crois pas que j'en ai déjà droppé. Vous avez des trucs qui ont des bas en basse stats là, ils en ont 3 quoi. Bah bon, en attendant, voilà quoi, en attendant c'est toujours ça. Non, je dois pas en avoir. J'en ai pas là, sera peut-être à plus haut niveau là, mais il y en a qui ont 3 stats de base et prenez plutôt ceux-là. Et faut savoir que les stats là, ça change. Là j'ai critique def, je peux avoir d'autres bonus quoi sur les trucs. Essayez de prendre par rapport à votre personnage ce qui convient le mieux et tout sur votre personnage et tout. Et voilà. En tout cas, voilà, c'est tout pour la vidéo, les gars. Vous avez vu la technique là? J'ai déjà 2 pièces niveau 40, moi. En plus, elle est déjà, je vois un truc, mais elle est déjà 3 étoiles, quoi. Attends. Parce que je vois que je l'ai pas encore touchée et qu'elle est 3 étoiles, vous avez vu. En tout cas, voilà. Elle est plus 2, alors que j'ai rien amélioré. Donc, vous avez vu la petite technique, les gars? Profitez avant qu'il change ça et qu'il nerfe ça et que vous pouvez plus invoquer et tout. Hein. Alors que vous pouvez plus avoir de bots comme ça sur vos trucs. Je vois que ça brille là, je pense que. Ah, c'est le portail Fumikage qui est sorti. Ouais, mais je l'ai déjà. Même si c'est vrai qu'on pourrait aller chercher un petit doublon de mon petit Fumikage. Ils m'ont donné des tickets. Oh, les gars! Oh! On va aller faire ça en live tout à l'heure. Vas-y, juste pour le fun là, on en claque une petite là, pour la fin de vidéo. Pour le glitch. Pour la technique spéciale là. J'espère qu'on a déjà eu trop de chance en l'ayant en truc, mais. Ouais, voilà. En tout cas, ce sera tout pour la vidéo, les gars. J'espère que ça va vous aider. Moi, ça m'a énormément aidé. Là, rien qu'avec ça, je vais gagner énormément de stats de boxe, les gars. Et puis voilà, et farmer, farmer, farmer avant que ce soit nerfé, là. Vous avez vu, il faut 40 000 de puissance. J'en ai 22 000, quoi. J'ai quasiment 2 fois moins, quoi. Et pourtant, grâce à ça, la technique des bots, j'arrive à le farmer. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, les gars. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Et nous, on se retrouve à bientôt, les gars. Allez, salut.